Comment est-ce que vous qualifiez vos débuts? Ou est-ce qu'on peut se dire tout de suite que c'est pas simple? Bah, c'est une découverte totale, c'est une entrée dans l'atmosphère. Vous savez, je crois qu'on a dit la même chose de M. Bellamy au moment où il est entré en politique. On a dit, mais oulala, qu'est-ce qui se passe? Ce ton nouveau, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je pense que... Bah, sauf que lui, ça a décollé. Non, ça a décollé au bout d'un mois et demi. Moi, je suis juste parti plus tard. Ce que je veux dire, c'est que... C'est normal qu'au début, ça étonne et ça détonne. Mmh. Mais progressivement, je suis convaincu que moi, que les Françaises et les Français, ils veulent d'autres figures, mais surtout d'autres manières d'approcher la politique. Donc pas faire des concours de punchline formés sur vos plateaux. Mais vous revendiquez l'idée de faire de la politique autrement. Mais bien sûr qu'il faut faire de la politique autrement. Enfin, je veux dire, tous ces professionnels de la politique, ils ont quand même mené la France dans le mur. Et en particulier à gauche, si on est honnête. C'est-à-dire que la gauche, aujourd'hui, si les professionnels de la politique avaient été si excellents à gauche de l'échiquier politique, je pense qu'on ne serait pas une gauche toute mouillée qui fait 24% dans les sondages, en comprenant depuis la FI jusqu'au Parti socialiste. Donc, mais y a...